Et yop, tout le monde, c'est Oranor. On se retrouve pour la suite du Let's Play sur State of Decay 2. Alors, je me dépêche. Connexion internet rétablie. J'étais plus sur internet, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Du coup, je me dépêche de partir direct là. Alors que je suis pas posé, que j'ai pas check mon personnage, etc. Parce que vous voyez que la barre de fatigue. Ça fait un bruit bizarre la voiture là où je rêve. Une horde? Comment ça une horde? Attends, deux secondes. Bon, j'ai pas compris pour l'heure. Bref, parce que... Ah oh, putain, ce bruit de voiture est atroce. Parce que j'ai la barre de fatigue en bas à gauche, la petite barre bleue qui est déjà à moitié finie. Et il faudrait que je change de perso en fait. Mais vu que si je change de perso, ça abandonne la mission. Ben... Ah mais c'était juste à côté en fait des militaires. J'aurais dû le faire hier. Enfin hier. Dans le dernier épisode. Voilà, merci. Et du coup, oui, si je change de perso, ça abandonne la mission. Donc j'aimerais le faire... Je sais même pas si j'ai vidé mon inventaire. Oui, c'est bon. J'aimerais le faire avant de changer de perso. La mission de l'attente. Sauf que je me souviens plus des touches. Voilà. Très désert depuis un moment. Qui avait caché les plans de secours détaillés un peu partout. Coucou. Ah oui, donc vous avez remarqué que j'ai changé de voiture hein, dans l'autre épisode. J'ai changé de voiture parce que l'autre était bah, fumé, une grosse fumée noire. C'est pas ouf. C'est pas ouf, on va pas se le cacher. Par contre, celle-ci, j'avais pas remarqué, elle fait un putain de bruit atroce. Je sais pas si c'est normal, si dans la dernière fois ça faisait ça aussi, je m'en souviens plus. Post-it abîmé. Ah, on peut pas lire ça? Appelez maman. Ouais, je sais pas si ça va être bien utile d'appeler maman. Fouiller maison, la recherche de plans de secours de la tante, oui. Cherchez sur votre carte. Ouais, ben on verra plus tard, Billy. Ah, le plan de secours, c'est appeler maman. Je suis pas sûr que ce soit bien probant. Et du coup, c'était juste à côté de la truc des militaires là. J'aurais pu fouiller le dernier coup sans problème. J'ai pas. What? Encore une victoire de canard. Pardon. Calibre 12, antenne extérieure. Manuel informatique. Couteau de combat. On peut pas acheter le appeler maman. Et relâcher. Je prends pas la note ensanglantée parce que je vais d'abord remplir. Oula, ma souris qui fait. Ma souris qui fait nimp, voilà, merci. Je vais pas prendre le appeler maman maintenant. Parce que je vais d'abord. Tiens, j'ai un bidon de carburant. Hop. On va d'abord faire le plein, tiens, tant qu'à faire. Je pourrais peut-être voler la Jeep en fait, attends. C'est pas mieux ça? Les batteries sont à plat, ouais, j'avoue. Y'a quoi dans la Jeep? Y'a rien, vas-y, on va mettre ça dans la Jeep plutôt. Essence, le manuel. Elle doit faire un meilleur bruit la Jeep que l'autre. Jeep militaire avec le petit logo State of Decay dessus. En fait, c'est pas du tout une Jeep militaire, c'est juste une Jeep, mais. Ah, nique ta mère. Ah, j'ai équipé le couteau de combat ou. Couteau de chef, cassé, machette. Putain, la machette, je la veux par contre. Ah, mais. Je sais pas ce qui se passe avec ma souris, elle veut pas. Hein. Couteau de combat plutôt que couteau de chef. Bon. Et toujours ça. Ok. Voilà, le petit changement de voiture. Hein. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Ah mais c'est chiant ça.
ce problème de souris. En fait, j'ai deux écrans et ma souris passe sur l'autre écran et du coup, ben, ça perturbe un peu tout. Ok. Et comment on le décode? Comment le décode, machine? Rien. Il faut que je fasse quoi? C'est quoi la prochaine étape? Carte M. Ça, c'est les soldats, ils sont juste à côté. J'ai pas de pointe sur la carte ou quoi que ce soit? Faut que j'aille récupérer ça un de ces jours. Hein. Quitter, oui, bah on verra ça plus tard. Bon, comment c'est pour voir le journal de quête? Bon, on va repartir à la base déjà. Allez, descends. Voilà, merci. On va repartir à la base. Alors, je me pose la question, là, je suis un peu au ralenti. Parce qu'en même temps, je suis pressé par le... Il y a un truc à ramasser. En même temps, je suis un peu pressé par le temps. Vous voyez que ma barre d'endu est quand même bien descendue. Bon, je sais pas. On va aller d'abord à la base. On va voir ça depuis la base. Et j'aimerais bien pouvoir réparer ma machette aussi. Il y a une horde ici. Mais il dit ça, ça fait... C'est ces connards-là, la horde? Voilà, il n'y a plus de horde. On le ramène à la maison. C'est marrant, regardez sur la minimap. Il est marqué derrière la voiture. Attends. Merci bien. Il y a un moment, hein, faut pas déconner. Alors. Le bruit de celle-ci, je le préfère. Hein. Quitte à choisir. Hop. Et hop. Et je peux pas prendre un truc en plus. On va prendre ça, on va laisser le bidon dedans pour l'instant. Merci bien. Allez. On court sur réfugié. L'accès à l'eau. Ouais, toujours. Non, j'avais rien ici, donc on s'en fout. Là-dedans. Ça, on peut le jeter. T'as quoi en arme blanche qu'on peut équiper? Voilà. On pose ça. Je peux pas la lire. Et relâcher à compétence. Non, mais il y a quoi pour... On peut pas les lire. Non. Bon, bah je sais pas si c'est une quête qui se fera en plusieurs étapes. Genre là c'est bon, j'ai fini cette étape. Et la prochaine, bah on verra plus tard quoi. Plus de bras. Pas de bras. Pas de chocolat, pardon. Cette blague me fait toujours autant rire. Ok. Toujours vider la voiture pour le prochain utilisateur. Hein, parce qu'on n'est pas des bêtes non plus. Faut pas déconner. Ah! Les trafiquants d'armes. J'approuve ce plan. Voilà. Et on va changer avec. Avec toi qui fais le guet là. T'as l'air d'être un bon plan. Coucou, toi qui fais le guet. Masculer sur ce personnage. Hein? Lancera la mission, seigneur de guerre, des armes pour tous. Oui, basculer. Ah, informer Venatio d'une enclave se constitue. C'est moi, Venatio? C'est lui, Venatio? Non, ça c'est Owen. C'est qui mon perso là? J'ai Will. Faut que j'informe Venatio. Je connais pas encore mes persos, c'est triste.
Mais du coup, lui, il faut que je l'équipe encore. Tournevis. Oh, épée lame de tondeuse. Un pistolet endommagé, on va prendre un truc un peu plus classe. Modèle 70 classique, modèle 70 Hunter. Voilà, c'est quoi comme balle? 7,62. 30, ça fait beaucoup. Bon, 30 balles dans les poches. Et t'as pas un sac ou un truc? Alors c'est le moral, car il n'avait pas le moral. Remonter le moral pour éviter de... Bon, ça va, oui. Et il est où, Venancio? Là-bas, sur la carte. Hop. Merde. Allez, par là. Oui, bien. Oui, on tourne. On tourne encore. Il est là. Debout. Alors, attends. Sur rien du quoi, ils ont une énorme cage d'un, très certainement volé. Merci, c'est rien, je m'en charge. On va devoir encore se battre. T'es en train de me suivre, toi? What's going on? Je te congédie. Buena suerte, amigo. Est-ce que tu me suis depuis tout à l'heure? C'est quoi, c'est un zombie? Enrôler le compagnon. J'espère que t'as une arme, mon petit. Bon. T'as une arme? Je ne vois pas d'arme. Fidèlement, Billy. Non, bon, bah, ok. Il me faudrait plus de mecs. J'en ai combien des gars là? J'en ai 5, 1, 2. 3, 4, mais il y en a un cinquième, alors il est où le cinquième? Bah non, c'est toi Owen. Mais du coup, c'est qui toi? Et toi, devin, t'as une arme? Ah putain, je... D'accord, ça fait pas remplacer, faut d'abord que je congédie. Merci Venatio. Congédie le compagnon, que je switch sur devin, que j'enrôle ce compagnon. Et est-ce que t'as un flingue? Ah putain, bon, suis-moi, connard. Là, suis-moi. Suis-moi. Voilà. Et t'as une bêche. Et je vois pas de flingue. Ah si, attends, c'est quoi là? C'est un pistolet? Ouais, c'est un pistolet. T'as un flingue. Bon, tu viens avec moi. Benicio a récupéré de sa fatigue. Bah, j'espère bien. Alors, où est-ce qu'on doit aller maintenant? C'est ça? Alors déjà avec le truc, quand on vole des médocs, ça se passe mal. Là, si on va voir des marchands d'armes, bon, je suis assez sceptique. Je sens que ça va être une putain de boucherie. Ah bah voilà, bien, bravo. Voilà, merci. Oui, la route. Parfait. 1300 mètres. Ah, mais c'est pas possible. On n'arrive plus à conduire ou quoi? Il y a un truc que je voulais faire en chemin. Attends, il n'y a pas un pont quelque part? Attends, on avance un peu pour voir qui me rend dedans. Oui, ta gueule. Il y a pas un pont. Il y a un pont là, mais il y a pas un pont plus haut. Mais il n'y a pas de pont, je suis obligé de faire soit le sud, soit le... Bon, allez. Eh, cette ville, c'est la merde quand tu veux passer de l'autre côté de la flotte. Bon, du coup, je vais passer devant l'endroit où je voulais peut-être aller fouiller tous les cadavres. Mais est-ce que je le fais maintenant ou pas? Tu ouvres la portière du mauvais côté, Bonhomme. Est-ce qu'on clean la zone? Fectatio. Est-ce qu'on peut péter les machins? On peut pas. Bon, allez. On va nettoyer tout ça vite fait. Y a pas de truc pour entrer ici là. Le chantier. Le hurleur. Les hurleurs. Voilà. Oula. Y a du peuple là-dedans. Ça me fera un échauffement.
shit lying around and it got broken. Nice job. Putain, mais y'en a combien? Attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui gauche? Mais tire, recharge, mais recharge! Mais recharge, espèce de connard! Putain, mais. C'est quoi ce temps monstre pour recharger? C'est pas possible. Okay. I don't think we need to worry about infestations. Ah putain. Et j'ai pas pris de bandage. Regardez le temps que je mets à recharger. C'est ouf. J'ai pas de bandage, hein. Bah non. Connard. Ça aurait été trop facile. Et mon autre perso il doit être en PLS aussi. À moitié mort. Bon, on commence pas l'épisode sur de bonnes bases là. Je vous avoue. Au contraire, on est plutôt mal. Allez, on fouille rapidement. Ta gueule, rapidement, j'ai dit. L'autre tuyau. Forcer l'ouverture. Voilà. Ça va, les bonhommes. Y'a pas de raison que ça se passe mal. Tu t'es pas fait bouffer par 15 zombies. Tout aussi moches les uns que les autres. Absolument aucune raison que ça se passe mal. Allez, viens, on se tire. On dit que ça s'est pas passé. Voilà, tu cours, c'est bien. T'es frais comme un gardon. Allez, descends, merci. Alors, après cette petite escapade, hein, si je puis dire, on va continuer dans la joie et la bonne humeur la plus absolue. Le pont, c'est par là. Il y a encore une horde. Ah non, c'est juste... voilà, merci. Voilà. Donc le pont... C'est pas par là, le pont? Je me suis trompé de route? Non, c'est par là. Je me plante de route là, je suis un petit peu déstabilisé par tout ça. Trop de hordes, les amis, trop de hordes. Et ensuite à droite. Ou pas du tout à droite en fait. Je peux continuer tout droit et la route elle continue de mémoire. Et là à droite. Merci. Bon, on y arrive. On y arrive. Pas de raison que ça se passe mal. J'ai juste deux persos qui sont très amochés. J'ai une arme qui est pas ouf, hein, parce que tu tires 5 balles, puis après tu mets 3 plombs à recharger. Un petit chargement assez moche, je vous avoue. Tout le jeu qui s'est figé d'un coup. On ouvre les portières. On est occupé, Billy. À un moment... survivant, André. Bon, bah écoute, si jamais on s'en sort, promis, je viens t'aider. Aïe. Pardon. Excusez-moi. Non. Non, non, merci. Y'a pas eu de route qui... Putain, mais y'en a plein des zombies rouges là dans le coin. Y'a que ça. C'est ouf. Je sais pas si c'est au fur et à mesure du temps, en fonction des infections sur le côté. Mais regardez, y'a que ça. Réservoir est bientôt à sec. Ouais, bah j'ai pas l'intention de faire de vagues, hein, t'es mignon. Une boîte de munitions, vas-y. Oh! Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ah,
arme est rechargée. Il manquait une balle. Voilà. C'est bien parce qu'il m'ignore complètement. J'ai juste à faire attaque furtive. C'est de l'essence, ça? Je crois que c'est de l'essence. Hop. No way I can fit this. Du coup, je fais juste le plein au cas où il y a un pépin. Voilà, on équipe ça. On fait le plein du vagabond. Je sais pas si c'est un truc de DLC ou pas, puisqu'il y a le, voilà, l'icône du jeu sur le côté. Tous les coups, pas du tout. Hein. Pas du tout. Les lapins. Hop. Ouais, c'est bon. On connaît. Vas-y. Bonjour les gens. McCoy. Alors vous voyez ça dans son dos. Ça, ça veut dire on est sage. Ça, ça veut dire on est très très sage. Et elle, étonnamment, c'est le militaire, elle a rien. Ou alors on voit rien à cause de la lumière. Je sais pas trop ce que c'est juste une machette, y a rien d'autre. Bon, on est sage. Parlez à Samir des armes. Vous pouvez, faites-nous une proposition que on pourra faire affaire. Fuck that. Je recule. Rentrez chez vous et laissez ces accapareurs impunis ou affrontez Samir. Bye. Ouais, non, on va pas. Est-ce que tu peux fouiller? Eh, je vais tenter le diable. Je fouille chez eux. Est-ce que ça. Ils vont m'agresser ou pas? J'ai peur un peu. Hein. Je vais pas l'affronter. On est que deux, ils sont trois. Ils ont des fusils automatiques. Moi, j'ai un truc tout pourri. Non, ça valait pas vraiment le coup de faire tout ça pour ça. Générateur portable. Parlez McCoy. Yo. Échanger avec quelqu'un. Might as well. Alors, non, non, non. 600 influence. J'ai où mon influence? Elle est marquée où? 620. D'accord. Non, je préfère économiser pour la future base. Bon, bah écoutez, on va partir, hein. Hop. Voilà, on va partir, c'était okay. Cool. Très intense. Silence, Billy. Silence. Silence. Ouais. Bon, c'était assez court comme expédition. Rentrez chez vous et laissez ces accablés impunis ou affrontez. Oui, bah on va les laisser, hein. Ça va, j'ai déjà perdu. J'ai pété un phare. hop. Bon, on va faire demi-tour, on va rentrer à la base, écoutez. Il y a un moment, faut pas faire trop de conneries. On va rentrer. Ah, deux secondes. Deux secondes, je me permets. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà. Juggernaut, on need something big to take that down. Hein? Un mastodon? C'est quoi ce truc là? Attends, c'est un nouveau type de zombie, c'est ça? Je regarde juste à quoi il ressemble. Mais je le tente pas maintenant. Voilà, on le fuit. On le fuit. C'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Je pense que je suis dans une zone que je... où j'irai pas avant un moment. Ah, il y avait un truc à ramasser là. Bon, on va rentrer à la maison. On va pas tenter le diable, si je puis dire, en tentant d'affronter trois mecs surarmés alors que nous, on ne l'est pas. Hein, visiblement on n'est pas du tout. Et hop. Et je sais pas ce que je vais faire comme mission après. En fait j'ai plein de missions qui s'affichent, mais j'ai peur parce que quand je prends un nouveau perso, il me file une mission unique liée à ce perso là et je dois me dépêcher de la faire. Puis là ce perso il est déjà à la moitié de la barre de fièvre, donc merci quoi. Donc prochaine porte à gauche. Oui oui c'est bon, on rentre chez soi, on s'en fout pour la quête de Will, j'ai pas envie de perdre des persos. L'influence ça marche vite en fait, ça monte vite, il suffit juste d'ouvrir ses portières sur la route. Rien de ça. Hop là, influence. Ah non, même pas.
Faut peut-être tuer plus de zombies, ou alors c'est juste les zombies rouges. Ah, sauvegarde. Et le rouge? Non, bon. Où est-ce que c'est? Il y a encore une horde là? Boursouflé. Mais. Mais carrément plus de horde qu'avant, c'est ouf. Feel like shit. Fucking plague zombies. Voilà. Alors pourquoi je fais ça, à votre avis? Tu peux t'en occuper, Billy? Voilà, merci. Zed, coming in hot. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il me reste des trucs à fouiller ici. On va poser le sac à dos. Ainsi que... Voilà. On va prendre les pièces, un pivre. Ouais, non mais... T'es pas ouf, toi, à l'épée, hein. Enfin, l'épée. T'as compris. Tiens, je peux fouiller le cadavre du militaire? What? Dying on my feet here. Gotta get medical help. Make sure this gets to a good place. Chouette débandage. F utilisé. Voilà. Merci. C'est cool qu'ils rajoutaient des loot possibles sur les... Sur les zombies. You talking to me? Exilé, euthanasié. Ah. Yeah. Ah bah viens avec moi machin. On verra ça plus tard. C'est pour ça que tu fais une drôle de tête. T'as la peste sanglante en fait. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais rentrer à la baraque là dans la fin de l'épisode. Et dans le prochain, on verra comment régler le petit souci de la peste sanglante que mon gars a contracté. Mais je me disais aussi, s'il faisait becter par 3 ou 4... Ouais, par 3 ou 4 zombies en même temps, il y avait peu de chances qu'ils s'en sortent bien quoi. Donc on va voir, on va... pour régler ce petit problème sans l'euthanasier, hein, espérons. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. Puis moi, je vous dis à la prochaine fois dans un futur épisode de State of Decay 2. Allez, salut, salut.